Ambiance studieuse et concentration, chaque mardi de mai, la médiathèque a réservé le créneau 18h30-20h30 aux lycéens pour les révisions du bac. Bah, ça nous aide quoi, enfin, on n'a pas les téléphones ou les ordinateurs à côté, du coup on peut se concentrer. Enfin, c'est pas la première fois que je suis venue et franchement ça me permet de beaucoup plus travailler que chez moi, donc c'est mieux quoi. On approche du bac donc ça devient assez important de s'y mettre quoi. En tout, une trentaine d'étudiants a poussé les portes de la médiathèque sur les séances de mai. C'est en entendant parler de ce projet à la médiathèque d'Ennebon que les 9 salariés de la bibliothèque ont décidé de se lancer. On aime bien trouver des idées originales et qui puissent aussi aller en direction des jeunes. Un public qu'on ne voit pas forcément à la médiathèque, qui sont plus habitués à leur CDI. Et le fait de leur ouvrir et de leur dédier vraiment la médiathèque avec cet horaire-là, on s'aperçoit que c'est comme si on prenait soin d'eux. Et du coup, ils ont envie du coup, de revenir à la médiathèque sur les horaires habituels, quoi. Clap de fin pour ce mois de révision, mais des idées sont déjà en tête pour l'an prochain. Faire une carte blanche à des professeurs qui pourraient parler de philosophie ou à des professeurs qui se sont un peu spécialisés dans le coaching pour la préparation aux examens, etc. Bon, là, on est en train de réfléchir sur comment faire l'année prochaine. Donc, c'est bon signe, ça veut dire qu'on a envie de continuer, quoi. Voilà. La réflexion se porte aussi sur le créneau horaire. L'idéal serait une ouverture poussée jusqu'à 21h. En attendant, bon courage à tous pour les dates.